Bonjour et bienvenue. Pourquoi on est sur le lit? What? Pourquoi on était sur le lit? Parce que je peux même pas monter sur le lit. Enfin bref. Bonjour et bienvenue. On est de retour dans une nouvelle survie du week-end. On est à Black Rock et on a trouvé le gilet pare-balles. La dernière fois. Alors, je suis allé me renseigner. Oui, non, le gilet pare-balles a toujours été 6 kilos. J'imagine qu'à l'époque, je le trouvais un peu lourd parce que peut-être que j'étais un peu moins efficace avec mon poids et tout ça. Mais sinon, oui, il ne peut pas être réparé. Il ne peut pas être réparé, donc voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que de ce que j'ai lu, on peut monter. Alors, je crois pas qu'en intrus, on puisse le faire parce qu'il nous manque des vêtements. Mais il y a des vêtements, en fait, extrêmement résistants que vous pouvez trouver. Et vous pouvez monter à 102% de résistance, qui est le plus élevé en protection. Et apparemment, si vous êtes à plus de 100%, vous êtes invulnérable aux dégâts. Quand un loup vous tombe dessus, ou un ours et tout. Donc c'est assez intéressant. Aussi le fait que ça soit en pourcentage des protections. En gros, 1% de protection est 1% de dégâts en moins. Donc si jamais on met ça, on aurait 89% de protection. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà. Après, bah tiens, le blindage là qui s'affiche. Apparemment, le blindage ne ferait pas grand-chose. Ce serait pas vraiment quelque chose qui est vraiment actif en fait, c'est plus pour vous dire que vous avez équipé le gilet pare-balles. C'est plus ça qu'autre chose apparemment. Donc ouais, mais sinon ouais, ça devrait réduire les chances en fait de saigner et tout ça, etc. Et bien sûr faire moins de dégâts. Bon. Dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. Alors, faut que je regarde un peu là, parce que pour notre poids, on est à 50-24. J'étais en train de me demander, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser ça? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas que ce soit très très utile. Donc, on va juste faire un aller-retour. 45-67. Ouais, je pense qu'on va faire un aller-retour tout simplement. Par contre, on va faire. Ah oui, mais du coup, non, il faut que je prenne les. Il faut que je prenne la corde. Je vais voir si je fais ça. 44-19. On peut faire ça. C'était par où la corde? C'était par où qu'on part en fait. Là. Donc on va descendre le gilet pare-balles et après on va rentrer. Alors on va peut-être pas faire grand-chose dans cet épisode. On va peut-être plus se balader qu'autre chose. Parce que comme j'ai dit, je voudrais aller récupérer la viande. Alors là on dirait qu'il est à côté, mais en fait il est super loin. Je voudrais aller récupérer en fait tout notre bordel, le mettre au camp. Et après. Et après aller récupérer tout ce qui est. Ok, go. Tout ce qui est la nourriture en fait, la viande qu'on a laissée des loups. Que je voulais déjà le faire la dernière fois, mais en fait vu qu'on est on était bloqué en hauteur, je suis pas allé le faire, parce que sinon c'est un peu de l'aventure que vous manquez. Donc je l'ai pas fait. Mais je voudrais vraiment le faire, donc peut-être que l'épisode sera un peu plus court que d'habitude. Pour faire ça. Alors, on prend tout. On va
Je vais prendre le bois, on va voir si on est bon en poids. Mais 43,94, on est bon, nickel. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Non, pas d'autres choses à faire. Parfait, let's go. Très bien. Parfait. I'm not sure I can carry much more. Merci. Alors, on va faire ça. Ça fera un tout petit peu plus léger. De toute façon, on peut quasiment pas sprinter. Là, si jamais on se fait attaquer, on aura moins de chances de... Enfin, on prendra moins de dégâts, quoi. Apparemment, ça aussi, ça protégerait, en fait, des déchirures. Enfin, c'est peut-être... On va dire que ça réduit la chance de se faire déchirer les vêtements. Donc, ça peut être intéressant. Par contre... Comme j'avais dit, on peut pas le réparer. On peut pas du tout le réparer, donc ça c'est un problème. Après il protège autant, qu'il soit à 99% ou à 1%, il protège toujours autant. Donc ça c'est bien. Mais bon, comme j'ai dit, on peut pas le réparer, ça c'est un peu la galère. Allez, on rentre. Ça, c'est vraiment la galère, en fait, du truc. Ok, on a tout fait, là. C'est bien. On va un peu avoir froid, mais c'est pas trop grave. Les avis sont toujours très séparés. Hein. Il y en a qui disent que c'est extrêmement utile, il y en a qui disent que non. Moi, je pense pas que ça soit très utile. Encore une fois, si on pouvait l'utiliser autrement qu'en accessoire, genre que ça soit un emplacement spécial pour... Pour le gilet pare-balles, ça serait vraiment, vraiment mieux. Mais vu qu'il doit remplacer un accessoire, bah au final, c'est embêtant. Que maintenant, on a beaucoup d'accessoires qui sont vraiment très intéressants. Puis le poids, c'est vrai que ça reste une concerne. Après, on va le ramener. Ah, on va essayer de le ramener. Je sais pas si on va le ramener directement, en fait. Il faudrait le ramener, quand même. Ok, c'est bon. Bien. Too heavy to carry. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va devoir ramener pas mal de choses, hein, pour chez nous. Ok, donc on a deux voiles, très bien. On a ça. Ça, on peut en virer un seul, celui-là aussi. On a trouvé encore aucun câble et aucun fusible ici. Je trouve ça assez surprenant.
Ouais, c'est pas mal. Hein. On a toujours froid, hein, donc faut se bouger un peu les fesses. Ok, très bien. On va se reposer, faut que je regarde un peu mon inventaire, mais là on a un peu trop froid. I wonder if I can drop any of this gear. Alors je vais être franc, il n'y a pas grand chose qui nous reste à faire à la prison elle-même, en tout cas je crois pas. Faut que je pose le sel aussi. Je vais essayer de récupérer toute la viande des loups. Et essayer de tout cuire en fait. Comme ça on sera bon pour se balader. Il y a encore plein de trucs à poser. Il y a encore tout ça aussi. Ça marche. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a toutes les voitures aussi à checker ici. Je voudrais bien savoir exactement où ils sont ces containers en plastique. Donc j'allais vérifier. Il fait un peu froid par contre, ça c'est un peu le problème. Mais on va rentrer au centre. Okay, le temps s'est un peu amélioré. On va rentrer là-bas là. Enfin, on va rentrer dans l'enceinte en fait. Du coup, on aura le loup à se faire. Alors le problème que j'ai ici, je crois que je commence déjà à l'avoir, c'est que en fait. Il n'y a pas énormément de place. Et du coup, on est vite surbooké d'objets partout, un peu. Genre là, ça commence à faire un peu beaucoup. Ça, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Là, on est bon. Là, on est plus ou moins bon. Les vêtements, c'est bon. Ça. Ça, on a. Là, là, là. Steam. Pourquoi je peux pas les mettre ici? Pourquoi je dois les... Ils sont méga espacés. Enfin bref. Il y a aussi un truc, j'en avais pas parlé, c'est... vous savez, les cages de pierre, là. Les cages de pierre peuvent pas être proches l'une de l'autre. Il faut qu'elles aient un espace. Donc même ça, aussi, du coup, ça fout un peu la merde, si vous voulez en faire plusieurs côte à côte. Donc, ouais, vraiment, vraiment embêtant. Ouais, on a plus assez de viande. On va devoir... On va devoir se débrouiller. Alors attendez, vu qu'on a le gilet pare-balles qui est là. Let's go. Juste au cas où. On est en surpoids, non? Ça va. Il doit être juste dans le coin gauche. Il est juste là. Ah là 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 là. Ah, il me fout dans la merde, lui, hein. Je me mets là pour pas qu'il me sente, en fait.
on lui a tiré dans la patte. Cool. Ouais. Je me suis caché pour pas qu'il me sente. Et du coup, il s'en va en fait, tout simplement. En théorie, on est bon. En théorie, il y a plus de loup. C'est quoi ce que j'entends, une sorte de cote-cote là? C'est les oiseaux qui font ça? Ah non, c'est le drapeau qui flap-flap en fait. Ok, ok. Ça marche. Pas de batterie. Rien. The god here, freezing. Je sais. Prends ton mal en patience, on doit vérifier toutes ces voitures. Ça va, on a un peu chaud en fait dans les voitures. Pas de batterie. Là non plus. On sait toujours pas où est la tour. Hein. Après j'ai une idée honnêtement. J'ai une idée. Je crois savoir. Je crois que ça doit être à l'extérieur en fait. C'est pas la... C'est pas la prison. Je pense que c'est à l'endroit où les loups m'avaient couru après, les loups gris. Et après ils avaient gratté à la porte. Je suis sûr que c'est ça. Par contre, si on doit vraiment faire un aller-retour pour aller récupérer du matos, ça fait loin quand même. Ça fait très très loin ici. Ça, c'est un peu le problème. De revenir genre au lac mystère, c'est pas la porte à côté. Hein. Je vais devoir le faire... Je vais peut-être même pas le faire en épisode, je le ferai de mon côté, tranquille. Enfin, ça c'est si jamais on trouve rien. Si jamais on trouve aucun... Genre câble et tout ça. Je serais étonné, hein, mais bon. Jamais. Après, ce qui est bien, c'est que je sais qu'au moins, on a tout ce qu'il faut. Mais à la maison. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas posé le sel. Je pose le gilet pare-balles. Après, se balader avec le gilet pare-balles, je dis pas non. Parce que c'est vrai que contre les loups gris, le gilet pare-balles peut être vraiment utile. Car on avait vu quand même qu'ils font extrêmement mal. Donc j'avoue que ça serait une bonne chose. Mais comme je dis toujours, c'est très lourd. Vous savez ce qu'on va faire? Je pense qu'on va... Ça va être la première partie en fait de cet épisode. Ce que je vais faire moi, c'est aller... C'est faire un feu. Récupérer toute la viande. Parce que j'ai peur que ça fait déjà plus d'une journée en fait qu'ils sont là. J'ai peur qu'ils disparaissent en fait. Les loups. J'ai vraiment peur qu'ils disparaissent. Donc je vais me débrouiller avec le bois que j'ai. On a pas mal de bois. Pardon. De bois de récupération et tout ça. Et de chauffage. Donc après je casserai des trucs si au pire s'il me faut plus de bois.
Ou alors j'irai dans la forêt là-bas, mais je pense que je vais faire ça, essayer de cuire en fait tout ce que j'ai. Je pense que je vais aller faire ça, ouais. Je crois que c'est bien une bien meilleure solution. Parce que si j'attends trop, tout va disparaître. Donc ce sera notre première partie de l'épisode. Et on continuera une fois que j'aurai tout cuit, tout découpé, tout ça. Donc peut-être qu'on aura déjà passé quelques jours ici. Mais voilà, je reviens après avoir fait tout ça. Et nous sommes de retour. Donc il s'est passé quelques jours. J'ai récupéré pas mal de viande, de 4-5 loups, je crois qu'on avait tué. J'en ai tué aussi un nouveau. Donc en récupérant le dernier loup qu'on a tué, donc c'était un des derniers, celui qui est sur le chemin en fait pour récupérer le gilet pare-balles. Donc celui-là, je suis allé le récupérer, récupérer la viande. Étrangement, il y avait un autre loup qui était à côté de lui. Et je suis allé récupérer sa viande assez tôt par rapport au fait qu'après j'ai cuit tout ça. Donc je trouve ça un peu étrange, donc j'ai failli... mourir, mais me faire attaquer du coup. Et je trouve ça étrange parce que c'est clos en fait. L'endroit est complètement clos et il n'y avait qu'un seul loup qu'on avait donc tué. Et apparemment on a un mauvais temps, c'est bien. Qu'on avait apparemment tué, donc je comprends pas comment c'est arrivé. Donc on avait genre 4 loups de ce côté là et après on avait un loup là-bas, c'est le loup là-bas dont je parle. Donc j'ai fait ça aussi. J'ai fait une cage de viande. Honnêtement, je pense avoir fait exactement la même chose il y a quelques années dans une des série. Donc, une autre saison. Donc, on a ça. On a des bouteilles. On a encore un peu de bois. J'ai mis du bois de côté. Il y en avait vraiment pas mal de ce côté, donc c'était cool. Après, j'ai remis un peu d'ordre. Mais bon, pas grand-chose d'autre, en fait, honnêtement. On a le gilet pare-balles. Je sais pas si on va le prendre parce qu'en fait, je me suis rendu compte de ce que je voulais faire en fait. Donc, on a fait la prison, on a fait le sous-sol de la prison, on a fait le toit de la prison. On est techniquement fini avec la prison. On est techniquement fini. Donc, je voulais aller en fait au sous-sol. Vous savez, l'entrée elle est là. Et on arrive en fait ici. Et du coup, on pourrait faire le tour. On pourrait commencer à faire le tour de la zone de la région. J'ai pensé à ça. Mais en fait, ce qu'il nous faudrait, c'est le code pour la porte qui est à la prison. Donc, il faudrait aller dans la mine qui se trouve en fait là. Donc, complètement à l'opposé d'où je voulais aller. Donc, je me suis dit, on va peut-être sortir si le temps est beau. On va peut-être sortir et commencer en fait notre aventure pour monter jusqu'à la prison en haut. On va potentiellement faire ça. Donc, est-ce qu'on peut lire ou pas? Normalement, ouais. Donc, j'ai pensé à faire ça. Et je pense que je vais faire ça, du coup. On va avoir un peu le temps. Comme ça, on récupère... Ok, on a un beau temps. Comme ça, on récupère, du coup, le code. On va déposer le livre... Je vais être honnête, je voudrais bien prendre le gilet pare-balles. Tiens, le gilet pare-balles, il devient humide. Ah oui, ça c'est un problème ici. Le gilet pare-balles, est-ce qu'on peut le prendre ou pas? Ça, il me le faut si jamais on a des coffres et des tout ça à ouvrir. Donc c'est un peu embêtant. Ça, on garde, ça, on garde. La scie. La scie, on est un peu obligé de la garder aussi. Je voudrais vraiment prendre en fait le gilet pare-balles. J'ai mis des allumettes ici aussi. On va faire ça, un seul. Je crois qu'on va
Je crois qu'on va y aller. Je crois qu'on va faire ça et on va se balader. Alors, se balader avec le gilet pare-balles, honnêtement, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Mais vu qu'on va se balader dans une zone qu'on n'a pas, on va dire, évaluée une première fois, donc on va tomber sur des vagues de loups gris. Donc on va prendre le gilet pare-balles, on va l'utiliser. Je voudrais bien finir ça, comme ça on n'a pas le, on n'a pas l'odeur. Ok, très bien. On va peut-être dû prendre un peu plus d'eau. Ok, ça me paraît pas mal. On en a 4. Okay. Donc ouais, je crois qu'on va faire ça. Ouais, on va faire ça. On va aller essayer de récupérer le code rapidement. Donc du coup, pas mal de courses. Donc ouais. On va essayer de repasser par exactement le même chemin par lequel on est venu en fait pour aller à la prison. Et après on va faire le chemin inverse et on va continuer du coup à suivre la route. Je pense pas qu'on puisse couper. Je crois qu'on est vraiment obligé de descendre. Donc on va devoir faire assez attention. Là il n'y a personne. Par contre il fait un peu froid, ça m'embête. Est-ce qu'on peut... Je vais voir un peu ce qu'il y a. On va passer par là. Comme ça j'ai une meilleure vue. Est-ce qu'on peut monter là sur ça? Non. J'essaye de toujours avoir une belle vue, bien dégagée. On a un loup devant nous. On va devoir combattre, je pense. Il vient vers nous. Je crois qu'on va devoir combattre. Ouais, ok, le truc. Pas aller là. Did I say I hate being cold? Because I really do. Monte, très bien. Merde, j'ai bougé pour le au dernier moment. J'ai bougé au dernier moment. Ah, ils sont tous en train de partir. Embêtant ça. Où est-ce qu'on pourrait se mettre? Peut-être voir. Est-ce qu'on peut les faire revenir? Faut monter haut parce que si les loups passent en dessous de nous, ils peuvent nous toucher. Je sais, le jeu est comme ça. J'ai déjà eu ça plusieurs fois ici. Deux flèches. Trois flèches. Quatre flèches que je loupe, c'est bien. C'est vraiment pas mal. Il y en a un qui est mort, je pense.
C'est pas mal, mais très inefficace. Hein. J'ai vraiment mal tiré. Enfin, c'est pas grave. On a perdu pas mal de flèches. C'est pas très grave. Honnêtement, je ferai un moment de farm pour récupérer des flèches. Pas grave. Au pire, on en a combien? 15. On a 15. On en a planté au moins 3, je crois, dans les loups. Je pense avoir tout pris. Tout ce qui traînait, en tout cas. Allez, go. On y va. On y va. Mission accomplie. On va sûrement retrouver les carcasses. Après, je me suis dit, ceux qui ont peur, là, comme ça, là, il faudrait peut-être les abattre aussi. Ah, ils veulent encore jouer, ok. Il n'y en a qu'un seul qui attaque. Très bien. On va pouvoir récupérer les flèches. Je fasse attention à ma chaleur, moi. J'arrive pas à passer. Très bien. On est de retour à 15. Il saigne aussi, celui-là. On va y aller. On n'est pas vraiment sur le chemin, mais bon, ça nous fait un peu se balader, puis on récupère nos flèches. Ah, j'y vais un peu franco là avec les flèches et tout. J'avoue. Mais bon, au moins on les tue. Ah! Il y en a un qui est mort, pas loin. C'est un peu dur de visualiser où il était avec le son. Ok, là. Très bien. Petit à petit, on récupère nos flèches. On est à 16. Je crois que quand je suis sorti, quoi, on était à 17. Et j'en ai cassé une. Donc, techniquement, on a potentiellement toutes les flèches. Par contre, l'arc, il a dû prendre un peu cher. 62%. On va mettre. Il faut fermer. On va aller se mettre à l'abri. Bon bah là on a vraiment fait le ménage. Faut regarder les corbeaux si jamais il y a des loups qui ont péri avec la course. On va aller voir en haut à gauche. Ah, lui il a eu peur. Il devrait être mort si jamais on l'a touché avec une flèche. Donc normalement j'imagine qu'il est pas mort. Ça par contre je pense pas que ce soit un loup. Ouais, c'est pas...
c'est pas bien. Il y a une corde ici. Il est un peu haut. On va essayer de briser notre chute. Très bien. On va se mettre à l'abri, je sais où. On aurait pu couper directement, parce que là on a la route. Mais ça c'est la grande route, hein, évidemment on a la... On a évidemment le vent qui est contre nous. On va aller dans les bâtiments qu'on avait vus. Pour se mettre à l'abri. Là-bas, c'est pas où est-ce qu'on veut aller encore. Pas pour le moment. On a des pas de loup. Ok, là-bas, c'est le cadavre du loup qu'on avait tué en premier. Ah, une flèche. Ok, donc ça c'est un des loups qu'on a tué récemment. Parfait. Mine. Ok, on est sur le bon chemin. Par contre, on va aller se mettre à l'abri. Si je dis pas de bêtises, il y a un endroit ici pour se mettre à l'abri. Ah, il y a des lapins et tout ça. Donc je crois qu'il y a une grotte par là. Je m'en rappelle. Honnêtement, la zone n'est pas excessivement grande. Mais elle est compliquée. Okay, lui, il a eu peur. Mais elle est compliquée, en fait. Du coup, on a tendance à se perdre et à tourner en rond. Et surtout avec le fait que les loups, en fait, nous poursuivent tout le temps. Donc, c'est ça, le problème. Ok, parfait. Presque midi, on est à moitié fatigué. On a perdu beaucoup de vie par contre à cause du froid, mais bon, c'est comme ça. C'est pas trop grave. C'est pas excessivement grave. Grotte de Cutie. Cutie. Cutie? Peut-être. Ok, parfait. Très bien. Alors, on a fait quand même un long chemin, mais bon, là, c'est un peu la panique. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est que on est là. Du coup, on va continuer, on va remonter et on va continuer le chemin. Par contre, on va manger. On va peut-être dormir un peu. Ça serait peut-être une bonne idée. Histoire de se réchauffer. Ah, quoique, on n'a peut-être pas besoin, honnêtement. L'hypothermie est assez avancée, donc ça faudra faire attention. On s'est pas fait toucher une fois, on a tiré beaucoup de flèches. On en a perdu une, je crois, au final. Au final, je crois qu'on les a toutes récupérées sur les loups. Je pense. J'ai juste beaucoup tiré pour une fois. Normalement, j'essaye d'éviter ça. On en a 17 et 18 avec celles que j'ai cassées. Ouais. C'est possible qu'on en ait perdu simplement une seule. C'est très possible. Ok, je vais voir si on peut... voir un peu. Okay.
on va continuer notre chemin. On va continuer, on va remonter. On va suivre la route. Le vent se lève. Normalement blizzard, je pense. Donc on va continuer la route et on va aller s'abriter dans le bâtiment. Qu'il y a un peu plus haut. Si jamais on peut, on les tuera. Même s'ils traînent comme ça. Comme ça, ça mettra du temps en fait. Pour qu'ils reviennent en fait. Ça donnera du temps pour nous. Pour le moment, il a peur. Parce qu'on a tué sa meute. Donc ça va. Voilà, nous on peut se protéger là-bas du vent ou après à un autre endroit aussi. Alors. Je suis assez content. J'avais un peu peur au début, parce que j'ai vu qu'on avait tiré énormément de fois. Je me suis dit, là je vais perdre toutes mes flèches. Mais au final, on a quasiment tout récupéré, je crois. Donc vraiment très content au final. Il me faudrait juste un bois pour faire un arc. C'est vraiment ce qu'il nous faut. C'est un bois pour faire un arc. Comme ça, on en fait un deuxième. Mais c'est pas mal de rester sur la route parce qu'on court assez vite en fait. On marche assez vite. Ah, là on en a plusieurs. Parti. Tout va bien. J'ai failli t'avoir la tête hein, quand même. J'ai pas eu. Je vais tirer en dessous. Mais putain, arrêtez de vous arrêter! Je vais me suicider! Non, mais c'est bon, vous pouvez partir. Ok, ou pas? Ils ont continué alors qu'ils étaient... Il n'y avait plus la barre. Intéressant. J'ai failli me tuer avec mes flèches. Les faire rebondir sur le sol. C'est assez drôle ça. On peut pas évidemment. On peut pas. Ça peut pas arriver. Mais c'était assez drôle. Ok, 15 flèches il m'en manque. Je sais qu'il y en a une qui est plantée sur un... Sur un loup. On n'a pas beaucoup pris de dégâts, on a quasiment rien pris de dégâts. Ça. Est-ce que c'est lui qui saigne ou pas? Non, j'ai pas l'impression. On va pourchasser celui qui saigne. Il y a le sang qui disparaît, merde. Alors on va peut-être s'abriter ici et se reposer du coup. Ah, on va peut-être faire ça.
On va regarder les contusions, mais normalement on n'a quasiment rien eu en dégâts. C'est pour ça que je suis resté un peu au milieu sans trop bouger, parce que honnêtement on risquait pas grand chose. Ça va, ça va. Allez, on ressort. On n'a pas fini notre aventure. Aussi, je voudrais voir si ça... Peut-être que le loup est mort. Et peut-être qu'on peut avoir des corbeaux, en fait. Ce serait vraiment bien. Il meurt assez vite hein, avec l'archerie montée comme ça. Il meurt très très vite du saignement. Ok, donc en théorie, je pense être sur la bonne voie. On va juste s'arrêter une seconde là. C'est pas la bonne. Non, c'est pas la bonne. On va peut-être devoir dormir. Honnêtement, j'ai envie de dormir et continuer, même si c'est se déplacer pendant la nuit. Tant que si c'est pas trop sombre, on peut peut-être avancer. Ah, parfait. Parfait. C'est bon, c'est ce qu'il nous fallait. Absolument ce qu'il nous fallait. Quelque chose là ou pas? Non. On va laisser le bois ici. Exprès, comme ça il va sécher et ça devient. Et on pourra en faire un arc très vite. Très bien. On va dormir, je pense, le plus possible. Mais j'ai envie un peu de continuer encore. On a ça. On va le manger. Très bien, on va prendre ça. Ouais, évidemment, j'ai mangé le 120. Ouais, c'est pas grave. Alors, c'est combien? C'est 6 heures. Hein. 6 heures, ça marche. Voilà, vous avez vu toute la vie qu'on a récupérée, ça va, c'est bien. On est à peine à 43-30. Ça marche. Okay. Alors, sortons. Donc c'est pas sur notre côté gauche, c'est le côté droit. Donc c'est pas là, c'est de ce côté-là. On va suivre la route. Honnêtement, je suis assez confiant de sortir maintenant parce que on a tué énormément de loups là. Je vais être honnête, ça fait un peu du gâchis, mais... Là on a le panneau. Mine, donc ouais, c'est ça. Vous me direz si vous voyez bien ou pas. C'est pas la meilleure visibilité, mais c'est pas non plus pourri. Il fait pas extrêmement froid, donc je voudrais avancer. On n'a pas de batterie. Bon, là, j'avoue, en intérieur, je vois pas grand-chose. J'avoue que c'est surtout sombre. En extérieur, ça va.
Faut qu'on chasse des lapins aussi. Pour les peaux. Ah, il y a cette maison. Oh mon dieu, je me rappelle. C'est une maison, ça. Oui. Je m'en rappelle d'ici. J'avais vécu ici un peu trop longtemps parce que il y a des ours et des élans en fait plus loin. Oh là là, oh mon dieu, ça rappelle. Ça me fait revenir des souvenirs, quoi, c'est ouf. Ça me rappelle énormément de souvenirs. Je suis resté bloqué là en fait, trop longtemps. Maintenant. On a des lapins. Où est-ce qu'ils sont? I wonder if I can drop any of this gear. Par contre, c'est pas une maison où on peut rentrer, hein. C'est complètement ouvert. Je sais même pas si elle protège vraiment bien du froid. Mais ouais, c'est sympa. Je me rappelle avoir combattu, je pense, un ours ici. Je l'avais fait venir ici, jusqu'ici. Avec le ponton et tout ça, c'est assez simple d'éviter ses attaques. Retraite du maçon. Établi là. Intéressant. The cold is making my head feel sick. Vous voyez, vous pouvez pas vraiment vous mettre à l'abri. Une lampe. J'ai vu le mot, on va le dire. C'est le meilleur chemin pour descendre, ce qui veut dire que c'est aussi le meilleur chemin pour monter. C'est sûrement pour aller à la... Comment ça s'appelle ? À la mine, je pense ? Je suis pas certain. Peut-être. Non, si, c'est peut-être ça. C'est peut-être la mine de ce côté-là. C'est peut-être la mine. Ouais, c'est possible. Possible que ça soit ça. Alors, on fait voir ce qu'on a récupéré. On fait voir un peu... l'eau et tout ça, ok. Il va falloir qu'on mange. On va faire les lapins et on va les laisser sécher ici. Et il y a le bâton. Je l'ai déposé le bois. Oui, je l'ai déposé le bois. Okay. Hop. Ah ouais, ça, c'est bien, ça sèche ici. Très bien. Parfait. Donc ça, déjà, ça nous aidera pour nos vêtements. Nos vêtements peau de lapin. Il nous faut du cerf aussi. Ça, j'en ai
pas grand chose à faire. On va mettre ça là. On pourrait manger. Je vais voir. Oh, il y a un effet étrange au sol. Il y a un effet super étrange. 48. Ah, c'est parce qu'il y a du vent, je crois. Ça passe à travers le sol. Je voudrais aller récupérer un peu de massette. Avant qu'il fasse trop froid. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là ou pas? On pourrait s'arrêter là. Et je crois que de faire ligne droite devant moi, je pense que c'est le moyen pour aller à la grotte. Mais le mieux, ça serait de... Il y a un cadavre devant moi. Ah, mais c'est un loup, ça. Ah! Cool. Ah bah ça, c'est marrant, ça, tiens. Un des loups, il s'est réfugié, là. J'avoue, des événements comme ça, c'est plutôt fun quand ça arrive. C'est pas tout le temps, mais c'est plutôt fun. Donc là, du coup, on a un loup qu'on pourrait complètement couper. Pour récupérer pas mal de nourriture. Enfin, c'est un peu froid, mais c'est pas grave. Ok, très bien. Bon, ben voilà. On avait un peu peur pour la nourriture, de pas en avoir assez. Il faudrait que je récupère aussi les boyaux et après on est bon. Putain, c'est... Ah, je suis content. J'avoue être content. Je sprint un peu pour me fatiguer un peu plus. Alors, très bien. Bien, bien, bien. On a 5 kilos. Sûrement dans les 7 kilos de viande en tout. Faut qu'on fasse un peu d'eau. Ça, on va les déposer. On va en déposer deux. On va les mettre là. C'est un peu sombre, hein, je sais. Je m'excuse, mais... je voudrais finir un peu notre... ouais, faut qu'on mange. On va finir un peu notre... notre nuit. Et je pense que ça va être la fin de notre épisode. J'espère qu'il sera pas trop trop court. Normalement, non. Parce que vu que je fais en deux fois, du coup, je sais pas trop. Mais je pense que la prochaine fois, on va temporiser ici. Donc, il faut qu'on fasse de l'eau, il faut qu'on fasse cuire la viande. Ou alors, je le fais de mon côté, comme ça, on part directement en aventure. Ah, je... Ouais. Je dirais pas non. Je vais voir. Je vais voir, on va dormir. Je vais voir ce que je fais en fait. Si je le fais moi de mon côté, puis comme ça je couperai. Puis, enfin, comme ça on enchaîne directement sur l'exploration. On va peut-être faire ça. Ouais, on va peut-être faire ça. Je vais faire un feu de mon côté et on enchaînera sur l'exploration et essayer de trouver la mine. Je suis pas certain qu'on la trouve directement la mine parce qu'elle est quand même loin, il y a quand même beaucoup de chemin et tout ça. Nous on doit être sûrement être par là, je crois. Ou peut-être plus. Plus sur loin de la route. Parce que la route, elle doit faire un truc comme ça. Genre. Et nous, on doit être sur le côté. Parce que nous, on n'a plus la route. Là, on est plutôt dans le côté forêt, en fait. Donc, ouais. Allez, on va dormir 5 heures. Ça doit être suffisant pour être full vie. C'est parti. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.